Merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux ce soir pour cette quatrième rencontre d'Hippocrate sur la thématique des révisions des lois bioéthiques. Quatrième rencontre, comme vous le savez, au fil des saisons, nous en faisons quatre par an. La programmation de l'année 2020 est en cours et nous vous tiendrons informés. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, quand vous inscrivez, votre adresse mail pour vous tenir informés tout au long de l'année des prochaines rencontres. Donc, désolé pour ce petit, ces 5-10 minutes de retard. Nous avons l'habitude de commencer à l'heure et nous terminerons en revanche à l'heure parce que nous avons un impératif de salle. Nous terminerons à 20h30. Les rencontres d'Hippocrate, je vais vous dire quelques mots. Les rencontres d'Hippocrate donc, sont des conférences qui sont ouvertes au grand public, mais également les professionnels de santé. Toute personne qui s'intéresse aux questions de santé, qui permettent de faire intervenir des professionnels, philosophes, des juristes, des médecins sur des questions d'éthique et de santé. Ces rencontres existent depuis maintenant 4 ans sur Bordeaux. Elles ont été lancées en 2010 à Paris, à l'Université Paris-Descartes, et elles ont été possibles. Elles sont possibles parce que c'est une volonté des universités d'ouvrir le dialogue, la discussion au niveau de la cité. Pour cela, je remercie les doyens de la faculté de droit et de médecine de l'Université de Bordeaux qui me font confiance depuis le départ, qui sont les piliers fondateurs de ces rencontres. Donc, ils sont co-organisateurs avec également le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde avec son président présent, les doyens présents également. Et je les remercie, ainsi que récemment l'Espace régional d'éthique de Nouvelle-Aquitaine et son directeur, le professeur Bioulac, qui animera les débats avec le professeur Laurent Bloch, qui est également le modérateur permanent des rencontres d'Hippocrate. Ces rencontres d'Hippocrate sont possibles également grâce au soutien de nos partenaires. Donc, merci à la librairie Mola et son directeur, enfin son propriétaire, pour la confiance, pour nous mettre à disposition cette magnifique salle et cette technologie. Donc, vous verrez, il y aura une petite innovation au moment des questions. On va vous passer une balle, vous allez voir cette petite innovation pour que vous puissiez poser des questions. Donc, merci à la librairie Mola pour son soutien. Merci également à la Fondation Anthony Minguenet qui nous font confiance, fondation qui a pour but de promouvoir l'éthique citoyenne. Et également, merci à notre autre sponsor permanent, le groupe Pasteur Mutualité. Ces rencontres sont filmées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des rencontres d'Hippocrate déjà passées sur ce lien et vous retrouverez également celles de ce soir qui seront disponibles dans une dizaine de jours. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les informations. Sans tarder, je donne de suite la parole à nos modérateurs qui vont présenter les intervenants et je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Juste quelques mots très rapides, puisque Sébastien a dit l'essentiel. Merci de votre présence et d'être venu en grand nombre sur ce sujet. Donc nous, ça nous rassure, parce que ça nous permet de voir que c'est un sujet qui intéresse, parce que c'est toujours compliqué de trouver des thèmes. Ce soir, nous avons donc deux conférenciers, Bérangère Legros, qui est rédactrice en chef, maître de conférence, et juriste, hein, et rédactrice en chef de la Revue Générale de Droit Médical. Et nous avons également un médecin, Monsieur Robin Kremer, hein, vous voyez, je suis tranquillement en train de lire ce qui est écrit ici, mais qui est également évidemment très intéressé par les questions d'éthique. Donc nous allons avoir leur regard croisé, juriste et médecin, sur ces problématiques-là, avec une conférence qui durera entre 45 et 50 minutes. Ensuite, notre premier modérateur, le professeur Bernard Bouliac, prendra la parole, professeur émérite, neurobiologiste et directeur de l'espace éthique de Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, et puis également membre de l'Académie de médecine. Donc vous aurez différents regards, mais bien évidemment, l'idée, c'est de très rapidement vous passer le relais pour que vous puissiez réagir à ce que vous allez entendre, étant précisé que nos conférenciers ne sont pas là pour défendre telle ou telle thèse, mais présenter la réforme telle qu'elle est voulue
d'un regard qui n'empêche pas évidemment d'avoir un avis sur la question, mais qui est un regard qui reste objectif et pas militant de telle ou telle cause. Sans perdre de temps, je passe immédiatement la parole à notre premier intervenant, le docteur donc Robin Kremer, qui va faire la première moitié du sujet. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et puis, je suis très impressionné devant cette salle comble. Alors, je suis Robin Kremer, je suis réanimateur pédiatre, mais par mes travaux sur la limitation des traitements, etc., je me suis retrouvé finalement directeur de l'espace éthique des Hauts-de-France, enfin, directeur de l'espace éthique du Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Et à l'époque des États généraux, on n'était pas encore été rattrapé par la réforme régionale. Donc, j'étais à cette époque-là directeur de l'espace éthique du Nord-Pas-de-Calais. Puis ensuite, on a fusionné avec la Picardie pour faire l'espace éthique des Hauts-de-France. Je viens ici, donc, en introduction, en première partie de Bérangère Le Gros, plus confronté à une narration des États généraux de la bioéthique qui ont précédé ce projet de loi. Et ensuite, Bérangère Le Gros vous présentera, fera un panorama, un survol, finalement, de ce qui change avec la nouvelle loi qui est actuellement au Sénat. Diapositive suivante. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il est quand même bon de définir ce que c'est que la bioéthique. C'est un mot qui est arrivé dans la langue dans les années 70. Alors, quelle est la différence entre l'éthique, la bioéthique? Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de bioéthique? Si on devait le définir, je pense qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'une confrontation de l'éthique traditionnelle avec ses connexions avec la morale, etc., à un fait technologique, et le fait technologique étant perçu comme à croissance exponentielle, avec donc dans un certain sentiment d'urgence. On a, à partir du moment où on parle de bioéthique, on a un sentiment d'accélération de la technique, un sentiment d'accélération de la technologie, l'impression qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour y réfléchir. C'est non limité à la médecine, mais ce qui est extrêmement particulier à partir des années 70, c'est l'implication de l'opinion publique dans le jeu, avec une ambivalence sociale assez certaine. Et on pourra en témoigner d'ailleurs dans les débats de bioéthique que nous avons organisés dans les différents espaces éthiques régionaux, une énorme attente des possibilités de cette technologie, en particulier quand on est impliqué à titre personnel, en même temps qu'une défiance vis-à-vis de ce qui pourrait arriver avec le mésemploi ou l'accélération de ces technologies qui ne seraient pas maîtrisées. Donc une véritable ambivalence. Et le troisième point qui permettrait probablement de définir la bioéthique, en tout cas sur le plan historique, c'est le phénomène des lanceurs d'alerte. Alors c'est arrivé une première fois dans les années 70 aux États-Unis, quand les firmes ont commencé à découvrir le génome, à le dérouler et à poser des brevets sur des morceaux de génome. Rifkin s'est levé, a lancé l'alerte en disant « Attention, on est en train de breveter ce qui est un bien commun de l'humanité ». En France, c'est la naissance du premier bébé éprouvette, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, en 82, qui a fait sortir du bois, dont les deux papas scientifiques sont Friedman et Testard. Et Jacques Testard est sorti du bois et a dit « Maintenant, on fait des bébés dans des éprouvettes. Il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on s'arrête. » Ce qui a donné lieu à la naissance du Comité consultatif national d'éthique l'année qui a suivi. Donc, ce phénomène, je pense qu'on peut définir la bioéthique comme ça sans aller plus loin. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, dans un pays de droit romain, le gouvernement a choisi, parce qu'on est dans cette tradition juridique, de faire des lois précise, particulière, dans la tradition du droit romain, qui doit faire quoi, comment, etc. Donc on n'est pas dans un régime, comme dans d'autres pays, un régime de loi cadre, qui laisse un cadre juridique à ces technologies, avec ensuite des réglementations qui viennent petit à petit préciser l'emploi de ces technologies. On est dans des systèmes de refondation successives, avec des lois de bioéthique. La première loi de bioéthique, c'est 1994. On dit qu'elle
a principalement consisté à inscrire dans le droit positif des principes généraux de protection de la personne et d'organiser un certain nombre d'organisants d'activités médicales. Mais en 2004, ça a donné lieu à la création de l'Agence de biomédecine, l'interdiction du clonage reproductif, l'interdiction de la recherche sur l'embryon, sauf par dérogation, pour obtenir des progrès thérapeutiques majeurs. Ça a élargi le cercle du don d'organes. Ça a autorisé, dans certaines mesures, la prise de brevets sur le génome. Vous voyez que là, on a déjà, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, on a aménagé un certain nombre d'exceptions. Et il est également inscrit dans la loi, depuis cette époque-là, qu'on doit consulter les populations. C'est la France qui l'a mis dans sa propre loi, au moment de la révision. Et la durée de vie de ces lois a été définie à 5 ans, puis 7 ans. Donc, des lois qui ne sont pas des lois cadres, qui sont des lois précises, avec une durée de vie limitée, une prescription de la validité de la loi, et prévoir une consultation des populations à ce moment-là. D'ailleurs, cette consultation des populations a été imposée maintenant, en plus, par la Convention d'Oviedo, des traités européens que la France a signés, et qui, même si on voulait maintenant enlever cette obligation de consulter les populations, nous reviendrait par les réglementations européennes. En 2011, on a autorisé le don croisé d'organes et la vitrification ovocytaire ultra rapide. Et donc la révision sur laquelle je voudrais revenir, en particulier pour me questionner en tant que directeur d'espace éthique qui a été impliqué dans cette affaire-là, sur notre rôle et sur notre rôle à venir, c'est la révision de 2018 qui a été complètement organisée, déléguée au Conseil consultatif national d'éthique, lancée en janvier avec un énorme travail de consultation des comités d'éthique institutionnels, des sociétés savantes, il y a 300 sociétés savantes qui ont été auditionnées, des associations, des familles de pensée, un gros site internet participatif que vous avez peut-être fréquenté d'ailleurs pour aller y déposer votre avis, et puis une partie des débats qui ont été délégués aux espaces éthiques régionaux. C'est sur cette partie-là que je souhaitais me questionner en introduction. Diapositive suivante. Alors, le CCNE avait identifié 9 thèmes que les espaces éthiques régionaux étaient libres de traiter, de s'arranger de manière à les traiter de manière à peu près homogène sur le territoire, mais étant donné nos organisations, il était impossible de traiter correctement les 9 thèmes. Les thèmes sont indiqués sur la partie gauche de la diapositive: procréation et société, génome, examen génétique, médecine génomique, les données de santé, les cellules souches et les recherches sur l'embryon, les dons et transplantations d'organes, neurosciences, robotique, santé, environnement, fin de vie. Vous voyez que dans ces thèmes, très vite, un certain nombre, ils sautent aux yeux avec la définition que j'ai donnée de la bioéthique. Il y en a 2 qui sont des thèmes de société, mais pour lesquels, en réalité, il n'y a pas eu de progrès majeur ou de bouleversement majeur en matière de technique. En matière de procréation, relativement peu de bouleversement majeur avec la loi précédente, mais cette question de l'élargissement de l'accès à la procréation médicalement assistée aux femmes seules. Et puis, la prise en charge de la fin de vie, qui traditionnellement a toujours fait l'objet d'une législation séparée des lois de bioéthique, a été également rajoutée. Donc, vous voyez que, déjà, à ce stade-là, on a un mouvement qui nous fait glisser, finalement, de ce qui est strictement de la bioéthique avec l'impact de nouvelles technologies, à des débats de société. Le calendrier était extrêmement serré. Nous avons démarré en janvier. Le site internet participatif du CCNE a été mis en ligne en janvier. Et ça s'est déroulé jusqu'au mois de juin, jusqu'au moment où le CCNE a donc fait une synthèse de tous les débats qui ont eu lieu dans toutes les régions, qui ont eu lieu à Bordeaux également. Et je pense que ce sera très intéressant de confronter justement nos interrogations sur l'utilité et le rôle qu'on a fait jouer aux espaces éthiques régionaux dans cette affaire-là. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Actuellement, la loi a été votée à l'Assemblée nationale. Elle est actuellement sur le bureau du Sénat. Elle sera
examiné, je crois, au mois de décembre ou au mois de janvier. Il y aura vraisemblablement un retour vers l'Assemblée nationale. Et puis, voilà. Donc, vous voyez qu'on est quand même relativement en retard sur le calendrier. Alors, comment est-ce que nous avons fait dans le Nord-Pas-de-Calais? Ce n'est pas du tout pour vous vanter cette méthode, hein, c'est pour vous raconter les partis pris que nous avions choisis et les obstacles auxquels nous nous sommes heurtés. On avait choisi d'essayer de faire un petit peu quand même de s'inspirer des méthodes de sciences sociales, donc de faire des focus groupes avant les débats publics. Donc on a fait un appel aux citoyens pour constituer des focus groupes. Alors les focus groupes, c'est une méthode des sciences sociales. Ça consiste à mettre ensemble entre 6 et 20 personnes qui ont un point commun, c'est-à-dire qui se font suffisamment confiance pour pouvoir parler librement et en présence d'un animateur formé, de manière à leur poser des questions et puis les laisser argumenter sans affrontement avec un animateur neutre qui rebondit et qui fait expliciter les expressions creuses, les polysémies, etc., pour vraiment comprendre le raisonnement des gens. Ça a donné lieu ensuite à l'enregistrement d'un verbatim qui a été interprété, qui a été exploité, enfin, ça c'était le projet, et qui ensuite devait être mis en débat, c'est-à-dire que les débats publics, on avait décidé de présenter finalement le résultat de ces focus groupes qui avaient eu lieu au calme, de manière à ensuite à les mettre en débat public. Et c'est ce que nous avons proposé en séance publique, avec simplement une introduction du sujet, la présentation du résultat et la mise en débat, de manière à la réintégrer ensuite dans l'interprétation. Diapositive suivante. Donc ce sont des méthodes dérivées des sciences sociales. Alors, sur la PMA, l'appel à focus group a été étonnamment peu productif, alors qu'on s'attendait à être absolument inondé, parce que ça ne correspondait pas du tout à l'attente des militants qui imaginaient, qui s'étaient préparés, qui s'étaient formés pour aller s'affronter en public avec des arguments qui étaient bien rodés. On a eu finalement un vrai groupe neutre, une association de grands-parents qui a dit « oui, on joue le jeu, ça nous intéresse ». Donc des gens qui n'étaient pas particulièrement intéressés par la PMA, mais qui sont venus en tant que citoyens et qui ont vraiment joué le jeu d'un focus group. On a eu un groupe qui s'est présenté comme tel d'hommes qui avaient fait appel à une GPA et qui ont exposé ces arguments. On avait reçu les opposants qui sont venus en délégation à l'espace éthique régional nous présenter leurs objections officiellement. Et on avait prévu, on leur a proposé de faire un groupe d'opposants, de gens qui se connaissent, qui se font confiance et qui ont la même ligne, de manière à faire se dérouler. Et ils ont refusé, parce que ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient prévu, ce n'est pas à ça qu'ils avaient été formés, ils n'ont pas voulu venir dans un focus group. Mais on les a retrouvés ensuite dans les focus group témoins, groupes d'hommes, groupes de femmes, c'est-à-dire que c'est les mêmes qui sont venus, c'est assez facile de voir à qui on a affaire. Et finalement, on a bien vu que là, on ne répondait pas à ce à quoi ils s'étaient préparés et il était très important pour eux d'apparaître comme des citoyens normaux, majoritaires dans les groupes. Donc, très vite, on a senti qu'il y avait des choses. On a eu des... Et pour alors, quant aux homosexuels, en théorie soutenant, favorable à cet élargissement, qu'on voyait d'ailleurs, puisqu'on a des groupes, on a des comptes sur les réseaux sociaux, on voyait bien que nos propositions généraient du trafic, des commentaires et que ça touchait la communauté homosexuelle et qu'elle discutait de nos propositions. Aucune nouvelle pour les focus group. J'ai fini par aller les solliciter en leur disant que s'ils étaient absents, j'en serais obligé de conclure qu'il n'y avait pas de problème. Et ils sont venus en focus group nous expliquer pourquoi ils ne venaient pas, ce qui est assez particulier. Et leur argumentation était extrêmement claire en disant « on est peu nombreux, tous ne voulons pas d'enfants ». Ceux qui veulent des enfants qui n'en ont pas ne sont pas très enclins à venir se raconter. Ils sont dans leur projet. Ceux qui en ont sont plus tellement concernés. Et de toute façon, on n'a pas forcément envie d'aller s'exposer. Les jeux sont faits, de toute façon. On a une promesse, ça va marcher. Donc, vous voyez que là, en fait, je suis en train de vous raconter un échec. Hein, mais c'est important de se retourner sur ce qu'on a fait. Qu'est-ce que nous avons mesuré? Nous avons mesuré un fait politique. La capacité de mobilisation des uns, et puis finalement le retrait des autres, puisque l'élargissement était acquis. Pour eux, il n'y avait aucune raison d'aller s'exposer dans des débats publics potentiellement désagréables.
Voilà. Donc on a quand même fait des débats publics. Diapositive suivante. Ensuite, nous avons quand même présenté ces débats et nous avons eu un débat ensuite tout à fait classique avec une participation classique des militants, des non-militants. Mais vous voyez que sous la pression d'une échéance législative, il est extrêmement difficile de faire du travail scientifique, d'objectiver finalement des mécanismes. Pour la médecine personnalisée que nous avions choisie pour thème, on n'a pas pu faire de focus group parce que ça ne parlait à personne, clairement. Les gens ne se sont pas reconnus dans ce thème. On a remplacé ce focus group par des questionnaires en ligne pour les étudiants qui ont été intéressants, mais ce n'est pas ce qu'on avait prévu de faire, et qui ensuite étaient présentés en débat public. Et la conclusion, c'était qu'il n'y avait strictement aucune représentation de la médecine génétique en dehors de ce qui est test prénataux et de la problématique d'un eugénisme et éventuellement de sacrifier des grossesses qu'on ne devrait pas sacrifier, etc. Donc, la représentation sociale de ce que pouvait faire la médecine génétique et la médecine dite personnalisée, c'est-à-dire adaptée au génome des patients, n'avait absolument aucune représentation sociale. Et les mêmes gens qui avaient été extrêmement virulents dans les premiers débats sur la PMA, même les mêmes personnes, faisaient preuve quelquefois d'une candeur et d'une confiance absolument extraordinaire envers les professionnels, les mêmes professionnels, en disant « oui, mais ça, on n'y connaît rien, mais on compte quand même sur les professionnels pour modérer leurs pratiques et une confiance énorme dans le règlement ». Donc les mêmes personnes qui étaient virulents contre une législation, contre les professionnels sur un thème sur lequel ils ont une représentation, quand ils n'avaient aucune représentation, faisaient peur d'une confiance extraordinairement désarmante. Diapositive suivante. Sur les, alors, la question des RR, et c'est une question d'actualité pour les espaces éthiques régionaux actuellement, qu'a-t-on mesuré ? La commande du conseil du CCNE était de faire remonter l'avis de la population dans une démarche synthétique de la base vers le sommet, sans intervention d'experts compliqués, avec juste simplement poser le cadre du débat. On nous a bien dit, il ne s'agit pas d'enseigner ni d'instruire, il s'agit de faire remonter des ressentis et des argumentations. En pratique, l'effet de l'échéance législative, et c'est assez naturel, a fait sortir des militants, mais aussi rentrer sous terre d'autres. On a provoqué finalement des réactions du corps social. Il y a eu des refus de participation, et puis des gens qui tout à fait clairement, nous ont dit, mais non, nous comptons sur le lobbying. Vos états généraux ne nous intéressent pas particulièrement. Ces synthèses, ensuite, ont été formalisées, analysées. On ne peut pas prétendre qu'on a fait un travail scientifique, même si on s'est inspiré de méthodes scientifiques, mais ces caractéristiques sous l'effet d'une échéance législative font qu'on ne peut pas présenter ça sur un plan sociologique ou sur un plan... ce n'est pas publiable en tant que tel, en tant qu'étude scientifique. Nous avons fait remonter nos synthèses, sans pouvoir dire d'ailleurs aux gens qui avaient participé ce qu'elles deviendraient, puisqu'ensuite les synthèses des espaces éthiques régionaux ont été de nouveau synthétisées par le CCNE, qui a fait lui-même sa propre synthèse des états généraux. Diapositive suivante. Nous en sommes donc à nous poser la question savoir dans quoi nous avons été entraînés. Nous étions parfaitement volontaires, nous étions même contents d'ailleurs d'avoir une visibilité. Je parle des espaces éthiques régionaux que j'ai rencontrés. Je ne sais pas si vous êtes d'un avis différent, on pourra en discuter après, mais nous étions assez contents de collaborer avec le CCNE dans un grand projet qui s'inscrit dans la démocratie participative et qui s'inscrit aussi quand même dans les rôles des espaces éthiques régionaux. Le rapport de l'Office parlementaire d'orientation en matière de choix technologiques et techniques et scientifiques, qui est une commission entre les deux assemblées qui est chargée normalement de valider le rapport du CCNE sur ces états généraux, a publié il y a peu de temps, il y a deux mois, son évaluation des états généraux de la bioéthique. Alors il donne quitus au CCNE des bases scientifiques qu'ils ont apportées à la population, de sa neutralité et de sa méthodologie. Il reconnaît que par rapport aux états généraux précédents, où il y avait eu trois débats, les espaces éthiques régionaux ont mené 271 débats, plus d'autres périphériques
qui était organisée par d'autres. Donc, il y a réellement eu un débat public, un débat en public. Maintenant, sur le plan politique, je pense que ça pose un certain nombre de questions, mais qui ne sont pas du tout de mon ressort, de la place de la démocratie participative dans un système, dans une démocratie parlementaire. Mais si on lit bien ce rapport de l'OPEX, il y a quand même un certain nombre de critiques, parfois fielleuses, entre les lignes. Il regrette que le CCNE n'ait pas collaboré avec la Commission nationale du débat public, dont ce n'est pas strictement le rôle, mais il fait cette remarque. Il souligne que les consultations des citoyens ne doivent être prises en compte que qualitativement. Ils sont très réservés sur les propositions du CCNE d'avoir un comité citoyen permanent. Ils disent bien, et ils remarquent, et ils ont parfaitement raison d'ailleurs, que les deux thèmes qui sont des problèmes sociétaux, comme on dit, même si c'est un mot affreux, ont absorbé la très grande majorité des commentaires des citoyens qui se sont impliqués sur les sujets où ils ont des représentations sociales, la reproduction et la fin de vie, laissant de côté, du coup, tous les autres thèmes qui sont véritablement le cœur du débat de la bioéthique. Diapositive suivante. Nous en sommes actuellement là. Alors, dernière voilà, ça, c'est la phrase qui figure dans le rapport, qui limite une accusation hein, de justification centrale pour le législateur. On est passé à une opportunité annexe, sauf pour la plupart des participants institutionnels ou les experts qui ont exprimé leur appréciation et leurs souhaits éventuels dans les domaines en cause, comme ils ont pu les exprimer par les canaux habituels. L'OPEX dit que ces états généraux, finalement, possiblement, n'ont servi strictement à rien. Voilà, je les laisse mettre de leurs hypothèses. Il y a probablement également derrière des enjeux de pouvoir, de préséance, etc. Mais le fait est que la question est posée de cette utilité. Diapositive suivante. Sans vouloir polémiquer, hein, les espaces éthiques régionaux ont aussi pour devoir de se questionner sur le travail qu'ils ont fait, la position qu'ils ont prise. Ce qu'on nous demande de faire par nos statuts, c'est de susciter et coordonner les initiatives en matière d'éthique. Et c'est aussi de constituer un observatoire des pratiques, sans savoir véritablement ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est en débat depuis plusieurs années. On a deux positions possibles. Ou on travaille en amont. C'était notre habitude, c'est là où on est à l'aise, très en amont de la réflexion, pour susciter des questionnements, pour vulgariser sans aucun mépris les dilemmes, pour les rendre accessibles à la population générale, pour proposer des controverses, de manière à ce que à nourrir l'opinion publique d'éléments qui leur permettent que cette opinion publique soit une opinion étayée. Et en aval, on nous a demandé là, lors des états généraux, de recueillir des questionnements, de transmettre des ressentis. Là, pour le coup, il me semble qu'il est légitime, voire même que c'est un devoir éthique, que nous nous posions la question sur notre légitimité dans cette affaire, même si elle n'est pas forcément nulle, hein, puisqu'on est au plus près des gens, on est au plus près des malades, mais on est aussi embarqué dans leurs affaires, puisqu'on est près d'eux et à leur service, et à quelle destination. Diapositive suivante. Je crois que j'ai terminé. Voilà, j'ai simplement posé des questions. Je n'y réponds pas, je ne me permettrai pas d'y répondre. D'ailleurs, le débat est d'actualité en ce moment. Ce sont les choses qui se jouent. On aura peut-être une orientation vers des états généraux permanents ou en session permanente, de manière à éviter cette échéance législative et pouvoir travailler mieux. Le CCNE est en train de se déplacer doucement mais sûrement depuis sa position initiale d'une instance qui doit donner des avis pour orienter le gouvernement vers une instance de réflexion permanente impliquant le public. Ce sont des faits dont je n'ai pas à être juge, que je constate. Les espaces éthiques régionaux sont appelés, on leur demande de jouer dans ce jeu. Je pense que la question mérite d'être posée, elle mérite d'être débattue. Et c'est actuellement une question d'actualité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce premier exposé parfaitement clair et d'une honnêteté intellectuelle totale.
Sans tarder, je passe la parole à Bérangère Legros. Et évidemment, si vous souhaitez poser des questions directement à M. Kremer ou si le professeur Bouliac souhaite également réagir, nous le ferons après. Alors, la loi du 7 juillet 2011 avait fixé à 7 ans la prochaine révision programmée du droit de la bioéthique. Et la réflexion en amont de cette réforme a été amorcée en 2018, notamment tout d'abord par la mise en place des états généraux de la bioéthique que la loi de 2011 a institutionnalisé, comme préalable d'ailleurs à toute modification de la législation. Alors, se sont succédés différents rapports et études de l'Agence de la biomédecine en janvier 2018, du Conseil d'État en juin 2018, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, du CCNE qui a rendu deux avis, l'avis numéro 129 qui a porté sur l'ensemble de la réforme, sur l'intégralité de la loi, en y faisant quelques extensions en dehors du champ de la bioéthique, notamment celle de la fin de vie, qui a finalement été logiquement exclue du périmètre du projet de loi. Et ensuite, on a eu l'avis numéro 130, rendu en mai 2019, intitulé « Données massives et santé, une nouvelle approche des enjeux éthiques ». Ensuite, la mission d'information parlementaire a adopté son rapport en janvier 2019 et le projet de loi a été déposé à la présidence de l'Assemblée nationale en juillet 2019 et adopté avec l'intégration de quelques amendements le 15 octobre 2019. Alors, ce projet de loi, dans sa dernière mouture, celle adoptée le 15 octobre, est décliné en 7 titres et composé d'une trentaine d'articles. Et je vais tout d'abord axer mon intervention principalement sur les thèmes qui ont été peu mis en lumière dans le débat public, en dehors des états généraux de la bioéthique, occultés par d'autres qui ont cristallisé les passions que nous verrons ensuite. Alors, intéressons-nous tout d'abord aux recherches sur l'embryon et les cellules souches, les cellules induites ou embryonnaires. En effet, sur cette thématique, il y a une constante tension temporelle entre le droit et ce type de recherche. Alors, les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ont été intégrées dans notre corpus juridique par la loi du 6 août 2004, en posant le principe de la prohibition et en autorisant par dérogation au principe ce type de recherche. La loi du 6 août 2013, en dehors de tout état généraux de la bioéthique, a créé en un article unique une modification de ce texte. Elle a changé le paradigme des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, puisque dorénavant, le principe est l'autorisation sous condition. Il a d'ailleurs été précisé que les embryons sur lesquels une telle recherche est conduite ne peuvent être transférés aux fins de gestation. Dans la foulée, la loi du 26 janvier 2016 précise que cela est possible, mais dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine portant sur une assistance médicale à la procréation. Alors, il y a eu un certain consensus sur la nécessité d'un assouplissement supplémentaire, passage du système de l'autorisation à celui de la déclaration pour les cellules souches embryonnaires. Et le projet de loi reprend cette proposition, plus précisément, il dissocie le régime des recherches sur l'embryon d'une part et sur celui des cellules souches embryonnaires d'autre part. Alors, les recherches sur l'embryon restent soumises au régime de l'autorisation. Et les recherches sur les cellules souches embryonnaires qui relèvent dorénavant d'un régime de déclaration avec un droit d'opposition de l'Agence de la biomédecine dans un délai qui va être fixé par voie réglementaire. Alors, l'argumentation de cette dissociation est que, certes, la création des lignées, des lignées et les recherches sur l'embryon impliquent toutes les deux la destruction d'un embryon, mais à l'inverse, ces lignées ne disposent pas des propriétés organisatrices qui leur permettraient de reproduire un nouvel organisme. On relève aussi que le projet de loi prévoit enfin un délai de culture maximale de l'embryon in vitro. Il est prévu un délai de 14 jours suivant la constitution de l'embryon. Et à l'issue de ce délai de 14 jours, il est mis fin à leur développement. Ils ne sont pas détruits, il est mis fin à leur développement, ce qui n'est pas la même chose. Alors, les cellules iPS et les cellules souches embryonnaires sont des cellules pluripotentes. Et cette pluripotence est évoquée dans le projet de loi, l'article 15, pour définir les cellules iPS, qui sont des cellules capables de se multiplier indéfiniment, ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l'organisme. Alors ensuite, il ressort du projet de loi qu'il n'y a plus de prohibition de principe de la création d'embryons chimériques.
L'article L2151-2 du Code de la santé publique qui posait cette prohibition est revisité. Le projet de loi insère la définition d'ailleurs de l'embryon chimérique qui serait dorénavant interdit. C'est la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces. On en déduit, à contrario, que n'est pas prohibée la modification d'un embryon animal par l'adjonction de cellules provenant d'autres espèces, dont l'homme. Cette version s'aligne sur l'avis de l'Agence de la biomédecine qui considère que les cellules humaines présentes dans ces embryons chimériques sont généralement très minoritaires par rapport aux cellules animales, moins de 1%. L'insignifiance quantitative permet-elle, d'un point de vue biologique et corrélativement juridique, de considérer que l'embryon animal modifié n'est pas humain, que l'espèce humaine n'est pas alors modifiée? Alors, une des nouveautés dans ce projet de loi est la possibilité, dans le cadre de protocoles de recherche, de créer des gamètes artificiels avec les deux types de cellules souches, donc IPS ou cellules souches embryonnaires. Alors, précisons que les cellules souches embryonnaires sont considérées comme les gold standards de pluripotence par la comité scientifique. C'est ce qu'on trouve notamment sur le site des États généraux de la bioéthique. Et tandis que les cellules IPS ne sont pas pour le moment encore considérées comme une alternative fiable à ces cellules. Pour autant, le texte prévoit la création de gamètes artificiels avec ces deux types de cellules souches. Le régime serait toujours la déclaration, mais il y aurait le droit d'opposition de l'Agence de la biomédecine serait formulé après avis public du Conseil d'orientation de l'Agence. La création d'embryons chimériques avec ces types de cellules est insérée dans les mêmes textes avec les mêmes garanties juridiques. Alors, dernier point sur les recherches impliquant la personne humaine, c'est-à-dire les recherches impliquant la personne humaine dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation où on pourra envisager une gestation. Alors, il y a un amendement qui a été pris, adopté par l'Assemblée nationale, qui complète l'article 14 du projet de loi et qui vient préciser que dans ce cadre, aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l'embryon ne peut être entreprise. Alors, en raison de la disparition de la prohibition des embryons transgéniques dans la version du projet de loi, certains s'étaient interrogés sur la possibilité de réaliser une modification du génome, notamment avec la méthode CRISPR-Cas9, et cet amendement, voté pour le moment en l'état actuel du texte, empêcherait une telle modification dans une perspective de procréation. Ça n'empêcherait pas la recherche, mais ça impliquerait en tous les cas la gestation. En effet, il est scientifiquement démontré pour le moment que la méthode CRISPR-Cas9, notamment, donne lieu à ce qu'on appelle des effets hors-cible, des effets off-target. La technique n'est pas encore maîtrisée. Alors ensuite, on envisage également de modifier l'article 16-4 du Code civil. Le projet de loi maintient tout d'abord l'interdiction fondamentale d'apporter au génome humain, y compris au génome de l'embryon, des modifications qui seraient transmissibles à la génération suivante. Et la modification de l'article 16-4 du Code civil, prévue par le projet, élargit en revanche légèrement le champ des finalités des interventions sur le génome susceptibles d'être autorisées. De telles interventions ne sont actuellement autorisées qu'à des fins de prévention et de traitement des maladies génétiques, sous réserve qu'elles ne puissent être transmises à la descendance. La possibilité d'intervention sur leur génome est étendue par le projet de loi aux recherches sur d'autres maladies qui ne sont pas des maladies génétiques, ainsi qu'aux recherches à des fins diagnostiques. Et ces modifications tiennent notamment compte de ce que la thérapie génique est aujourd'hui susceptible de traiter d'autres maladies que les seules maladies génétiques. Alors parlons un petit peu de la transmission des données génomiques aux patients et à sa parentèle. Alors il faut savoir que lors de la consultation, notamment le CCNE souhaitait notamment généraliser le diagnostic préconceptionnel. Ça n'a pas été retenu. Il souhaitait également qu'on fasse un dépistage général de l'ensemble de la population dans une logique préventive. Ça n'a pas pour le moment été retenu. Et si l'Assemblée nationale, en première lecture, a supprimé le DPI-HLA, donc c'est-à-dire le bébé médicament, en dépit d'un amendement en ce sens, la recherche de l'ensemble des aneuploïdies lors du diagnostic préimplantatoire n'a pas été adoptée. Et la ministre de la Santé, lors de la présentation du projet de loi en juillet 2019, avait précisé qu'une telle introduction constituerait une dérive eugénique.
Alors néanmoins, il résulte du projet de loi la multiplication des informations qui seraient transmises à la personne. Et dans le projet de loi, on peut retenir deux critères, des critères qui sont insérés et qui irradient l'ensemble des dispositions liées à la génétique. Alors ces critères sont utilisés notamment, je prends un exemple, lors de la consultation génétique, aux fins de l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, à des fins médicales ou de recherche scientifique. On n'a pas changé les finalités, ce sont toujours les mêmes que celles qu'on a instituées jusqu'à présent. Et ces deux critères que je vais vous citer ont vocation à élargir le champ des données génomiques transmises aux patients ou à l'usager du système de santé, d'une part, mais aussi à sa parentèle, d'autre part, dès lors qu'une prise en charge est possible. Une prise en charge, ça pourrait être prévention, conseil en génétique ou soins. Et à cette fin, la personne est informée avant le recueil de son consentement, tout d'abord, premier critère, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objet initial, mais dont la connaissance lui permettrait à lui ou aux membres de sa famille de bénéficier d'une prise en charge. C'est le critère numéro 1, que j'appelle critère numéro 1. Alors, en dépit de l'utilisation du terme « incidemment », la formulation est assez ambiguë, parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y aura une recherche, ce qu'on va se transmettre, ce sera les données incidentes ou les données secondaires. Ensuite, second critère, la personne est informée de la possibilité de refuser la révélation des résultats de ce type de données, ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, justifiant une prise en charge, serait diagnostiquée. C'est le critère numéro 2. Alors, ce choix sémantique diffère de la mouture actuelle de cette information qui est transmise à la parentèle, qui porte sur le diagnostic d'une anomalie génétique grave, dont les conséquences sont susceptibles d'une prise en charge. Et la disposition du projet de loi est donc plus large. Elle englobe tant l'information sur le diagnostic que sur le dépistage, ayant par définition un caractère probabiliste. C'est-à-dire qu'on va peut-être, on va informer de gènes de prédisposition ou des gènes de susceptibilité. Alors, le même critère est proposé pour justifier des prélèvements post-mortem au bénéfice de la parentèle, dès lors que le médecin suspecte une telle anomalie. Par ailleurs, le spectre de la parentèle informée est élargi. Le projet de loi l'étend au tiers donneur ou à la personne née d'un don. C'est-à-dire que dès lors que l'un d'entre eux est informé d'une anomalie génétique au sens du critère numéro 2, il peut informer l'autre par l'intermédiaire du médecin prescripteur. Et un amendement adopté par l'Assemblée nationale transforme cette faculté en une obligation. En l'état actuel des travaux parlementaires, une telle information est une faculté au bénéfice des personnes nées sous X et de leurs géniteurs. Alors, enfin, en vertu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, les conseillers en génétique pourraient communiquer les résultats, mais seulement en l'absence d'anomalie génétique et en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel ils interviennent. Alors, quelques mots sur l'intelligence artificielle. En fait, finalement, nous n'avons qu'un article sur l'intelligence artificielle dans le projet de loi. Le projet de loi dispose, si je prends le préambule du projet de loi de juillet 2019, il dispose que l'article 11 vise à sécuriser la bonne information du patient lorsqu'un traitement algorithmique des données massives, c'est-à-dire pour le projet de loi l'intelligence artificielle, est utilisé à l'occasion d'un acte de soin. Et donc cet article 11 décline ce qu'on appelle la garantie d'une intervention humaine. Alors, le juriste ferait une petite critique, c'est-à-dire que cette garantie humaine va être insérée dans le Code de la santé publique et certains juristes, on attendait quand même que ce soit inséré dans le Code civil en tant que principe fondamental du droit de la bioéthique, ce qui n'est pas le cas. Alors ensuite, quelques mots sur l'imagerie cérébrale. Il faut savoir que dans le Code civil et dans le Code de la santé publique en général, on n'a pas d'article. En fait, sur l'imagerie cérébrale, on a un article qui est inséré dans le Code civil, c'est l'article 16-14, qui dispose en l'état actuel « Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertise judiciaire. » Alors, le projet de loi
propose de changer la terminologie, ne plus évoquer les techniques d'imagerie cérébrale, mais les techniques d'imagerie et d'exploration de l'activité cérébrale pour se mettre en cohérence avec les évolutions technologiques. Et ce qui change également, c'est qu'au niveau des expertises judiciaires, le projet de loi précise que dans le cas des expertises judiciaires, on ne doit pas utiliser des techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale. Alors ensuite, l'IVG. Il y a quelques mots sur quelques dispositions sur l'IVG dans le projet de loi. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'IVG pour motif médical, on crée une clause de conscience pour les professionnels de santé. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a les professionnels de santé en matière d'IVG pour motif médical peuvent exercer une clause de conscience, mais elle existe par renvoi à l'IVG pour motif personnel. Et donc là, on crée une clause de conscience spécifique, autonome, pour l'IVG pour motif médical. Alors ensuite, en ce qui concerne le diagnostic prénatal, alors il faut savoir que le CCNE suggérait de revoir la définition du diagnostic prénatal, car selon lui, il n'induit pas nécessairement une interruption de grossesse, mais peut conduire aussi à une prise en charge de l'enfant in utero ou postnatal. Alors donc, cette suggestion a été entérinée par le projet de loi. Et suite à un amendement, la définition a changé, certes, mais on a également enlevé le terme diagnostic prénatal, qui est remplacé par le terme médecine fœtale. Et donc, l'article 19 voté en l'état dispose « La médecine fœtale s'entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d'imagerie, ayant pour but le diagnostic, l'évaluation pronostique, le cas échéant, les traitements, y compris chirurgicaux, c'est ça qui change, d'une affection d'une particulière gravité chez l'embryon ou le fœtus. » Autre disposition sur l'IVG, notamment l'interruption volontaire de grossesse partielle. Partielle lorsqu'on veut faire une réduction embryonnaire, car la femme est porteuse de plusieurs embryons et ça risque de mettre sa santé en danger. Et donc, on introduit expressément dans le Code de la santé publique cette possibilité d'IVG de grossesse partielle avant la fin de la 12e semaine. Avec une petite précision que le texte, l'article 20, précise qu'aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple. Ensuite, quelques modifications sont proposées sur les prélèvements d'organes et de tissus. Alors, petite précision, par rapport au contexte des évolutions envisagées, en effet, il y a une baisse du don in vivo, d'une part, et il y a un certain échec du don croisé qui avait été introduit par la loi du 7 juillet 2011, d'autre part. Et donc, il y a une volonté de redynamiser tout cela. Alors, si on prend le don croisé, le Conseil d'État, dans son avis de juillet 2019, est venu préciser que le gouvernement souhaite augmenter de 2 à 4 le nombre de pairs composés d'un donneur et d'un receveur susceptibles de participer à un même don croisé. Néanmoins, l'article 5 du projet de loi qui concerne cette thématique n'indique pas de chiffres. Et en fait, le projet renvoie le nombre maximal de pairs de donneurs et de receveurs consécutifs à un décret. Alors, au niveau du don croisé, ce qui change, alors jusqu'à présent, il y avait une simultanéité des prélèvements et des greffes. Et donc, comme on va augmenter le nombre de pairs, ça va poser problème. Et on veut mettre fin à cette... On veut désynchroniser l'ensemble des opérations en précisant que ces opérations doivent se dérouler sur une période de 24 heures. Alors, l'article ajoute que pour augmenter les possibilités d'appariement, on peut avoir recours à un organe prélevé sur un donneur décédé. Alors ensuite, intéressons-nous aux mineurs et aux personnes sous protection légale. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans les textes, droit en vigueur, le principe, c'est qu'on ne peut prélever aucun organe sur une personne mineure ou une personne sous protection judiciaire. Ça, c'est les organes. En ce qui concerne les tissus, le principe est le même, sauf qu'à la différence, c'est que là, on a une dérogation. Et la dérogation concerne ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques. On peut faire des prélèvements de cellules hématopoïétiques
en faisant un recueil dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique. Alors, soit au profit du frère ou de la sœur du mineur ou de la personne sous protection, soit à titre exceptionnel pour sa famille collatérale élargie. Mais ce qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle, tant pour le mineur que pour le majeur sous protection légale, c'est faire un don pour les pères et mères. Et c'est ce que veut changer le projet de loi, puisqu'on a un problème de conflit d'intérêts. Et donc, les parents ne pouvaient pas décider pour le mineur si le mineur allait donner des cellules hématopoïétiques pour eux. Donc, on a prévu qu'on allait nommer un administrateur ad hoc pour représenter le mineur devant le président du TGI. En fait, c'est le président du TGI qui va nommer un administrateur ad hoc. Et c'est le juge et tutelle qui va, pour la majeure protégée, nommer un administrateur ad hoc. Alors, il faut savoir que c'est toujours la même procédure. Il y a un comité d'experts. Dans la mesure du possible, on va entendre le mineur s'il est capable de discernement et le majeur s'il est capable de consentir. Alors enfin, intéressons-nous à l'assistance médicale à la procréation. Alors l'article 1er du projet envisage d'élargir l'assistance médicale à la procréation en retenant un critère qui est le projet parental. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le critère, c'est l'infertilité médicale. Donc, ce critère disparaît. C'est le projet parental. Et il y a une création, finalement. On a un projet parental si on a trois structures parentales. Trois structures parentales possibles, ce sera un couple hétérosexuel, un couple de femmes ou une femme célibataire. Alors, dans le texte, on n'évoque plus expressément le fait que ces personnes doivent être vivantes. Mais quand on regarde le texte, on voit bien que la procréation post-mortem est toujours interdite. En ce qui concerne l'âge de procréer, il n'est plus non plus évoqué expressément, c'est-à-dire que le texte renvoie à une condition d'âge pour bénéficier de l'assistance médicale à la procréation qui sera fixée par décret en Conseil d'État après avis de l'Agence de la biomédecine. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, le Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine s'était interrogé sur ces fameux âges de procréer. Il avait conclu que pour l'homme, ce serait 60 ans, que pour la femme, ce serait 43 ans. Et si la femme a des ovocytes conservés, il y aurait une discussion au cas par cas entre 43 et 45 ans. Alors ensuite, dans les modifications proposées, il faut savoir que le critère en matière de tiers d'honneur à l'heure actuelle, le principe est qu'un embryon ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple. En gros, ce qui est prohibé, c'est le double don de gamètes. Donc ce double don de gamètes, qui est prohibé jusqu'à présent, le projet de loi propose de supprimer cette prohibition. Alors en ce qui concerne le don de gamètes, alors qui peut donner ? À l'heure actuelle, le principe est que le donneur doit avoir procréé. Ça implique que le donneur peut être à la fois peut-être majeur, mais aussi mineur s'il a déjà procréé. Et lorsque cette personne qui donne est en couple, on doit demander le consentement de son conjoint ou de son concubin. Et ça, c'est le principe sur la personne qui a déjà procréé. Et il y a une dérogation. Un donneur majeur, c'est-à-dire nullipare, qui n'a jamais procréé, peut donner. Et on doit lui proposer, s'il le souhaite, on lui propose de faire une conservation de ses gamètes gratuitement. Et donc ce texte qui avait été introduit en 2011 crée une sorte d'échange dans notre droit de la bioéthique très problématique puisque finalement c'est une entorse au principe de non-patrimonialité. Alors quelles sont les réformes envisagées dans le projet de loi ? C'est l'article 2. Alors nouveauté, on pose un double principe. Alors, premier principe, le donneur doit être majeur, qu'il ait ou non procréé. Et on supprime la nécessité de demander le consentement écrit de la personne avec qui ce donneur vit. Alors ensuite, le second principe, le mineur émancipé ne peut être donneur. En fait, dit autrement, les mineurs ne peuvent pas donner. Alors ensuite, quand vous voulez faire ce don dans ce projet de loi, préalablement au don, le donneur va être informé des nouvelles règles concernant relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, puisque le nouveau principe qui est pour le moment qui a été voté, c'est que la personne née avec tiers donneur, ses enfants,
auront accès à leur majorité, aux données non identifiantes, mais aussi à l'identité du tiers donneur. Alors, en ce qui concerne la conservation des gamètes, la conservation des gamètes hors projet parental immédiat. Alors, les conditions pour faire une conservation de gamètes, c'est que, dans le projet de loi, c'est que la personne doit être majeure. Alors, on ne sait l'âge pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quel âge ou à partir de quel âge on va pouvoir faire cette conservation de gamètes. C'est renvoyé à un décret en Conseil d'État pris avis, après avis de l'Agence de la biomédecine. Cette personne qui va vouloir conserver ses gamètes, homme ou femme, sera informée sur les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Alors, les risques, ce sera surtout la dame qui va faire une stimulation ovarienne. Et les limites, parce que les professionnels de santé le savent, de l'AMP, ce n'est pas parce qu'on va mettre de côté des gamètes, des ovocytes, qu'on finalement on aura une grossesse à la fin. Alors, le texte essaie de cadrer pour pas qu'il y ait de dérapage. Et donc, on cadre par rapport aux établissements qui peuvent réaliser cette conservation des gamètes. Alors, je parle de conservation, mais en réalité, il y a trois types d'actes. Il y a tout d'abord le prélèvement, le recueil et la conservation des gamètes. Alors, le texte prévoit que seuls peuvent faire ces trois types d'actes les établissements participant au service public hospitalier, c'est-à-dire les établissements publics de santé ou les établissements privés de santé à but non lucratif. Et le texte ajoute, ces activités ne peuvent pas être exercées dans le cadre d'une activité libérale. La crainte du gouvernement, c'est que l'offre ne crée la demande et que les femmes soient incitées à faire cette conservation massivement. Alors, qui va prendre en charge ces frais? C'était un grand débat lors des états généraux et de manière générale. Alors, il faut savoir qu'il y aura une prise en charge à 100% de manière habituelle si la conservation est faite parce que vous êtes atteint d'une pathologie altérant la fertilité. Vous allez démarrer une chimiothérapie et on fait cette conservation avant, puisque la chimio pourrait vous rendre infertile. Alors, dans les autres cas où je ne suis pas atteint d'une maladie qui va affecter potentiellement ma fertilité, dans les autres cas, on ne sera pas pris en charge la conservation des gamètes. Ça veut dire la conservation des gamètes, ce sera la charge des personnes. Et là, on introduit un cadre supplémentaire, c'est-à-dire le texte prévoit que, comme cette conservation reste à la charge de la personne, non, donc pas ni le recueil ni le prélèvement, mais la conservation, il est interdit aux employeurs, à tout employeur, de prendre en charge cette conservation. Le texte prévoit qu'il est d'ailleurs interdit à toute structure ou personne avec laquelle la personne concernée serait dans une situation économique. Et là, c'est pour les gamètes hommes-femmes. Et le texte ajoute, seulement pour les femmes, que toute prise en charge par compensation directe ou indirecte par une entreprise publique ou privée au profit de leurs salariés est interdite. Alors ensuite, en ce qui concerne les droits des enfants qui vont être nés, les nouveaux droits des enfants nés par assistance médicale à la procréation, alors le principe est qu'à leur majorité, si elles le souhaitent, elles pourront avoir accès à un certain nombre de données non identifiantes, âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivation du don, ainsi qu'à l'identité du donneur. Et ça veut dire que dorénavant, pour donner, avant de donner, il va falloir consentir expressément au fait qu'on autorise cette double communication. Alors, pour conclure, cette loi qui sera votée vraisemblablement en 2020, en l'état du projet, il faut savoir que le projet de loi qui avait été déposé en juillet 2019 avait prévu un réexamen dans un délai de 7 ans. Et suite à un amendement, la version actuelle, la mouture actuelle, prévoit que ce sera un examen dans un délai maximal de 5 ans. Je vous remercie. Merci pour cet exercice de synthèse extrêmement périlleux sur une loi qui est quand même très, très riche. Le principe des rencontres d'Hippocrate, c'est justement de pouvoir échanger. Donc, nous n'allons pas monopoliser la parole, mais évidemment, le professeur Bouliac pourra répondre et réagir à des questions. Donc, immédiatement, je vais passer la parole à la salle. Sébastien. J'explique une chose.
Excusez-moi. Donc, je vais passer le micro. En fait, le micro, soyez pas surpris, c'est cette boule. Donc, vous parlez dans la boule et vous verrez, ça va enregistrer. Alors, je vais. Le principe, c'est qu'on va vous la lancer. On innove, c'est pour essayer d'aller plus vite. Donc, après, vous avez deux personnes. Vous avez Astrid et Kim sur les côtés. Vous leur envoyez une fois que vous avez fini de poser votre question. C'est clair ? Voilà, je vous remercie. Alors, la personne qui ne le récupère pas, mais il a un gage, il est chargé de la synthèse de la journée. Donc, qui veut la parole ? Allez, bonne chance, la partie commence. Du coup, personne ne veut la faire. Personne ne veut faire la synthèse. Ah, voilà. Ah, il y a quelqu'un. Vous êtes prête ? Mais je voulais simplement savoir, avoir une précision par rapport à la conservation de gamètes, parce que d'après ce que j'ai compris, c'était pour les personnes majeures, mais il y a des mineurs, notamment des jeunes femmes, qui peuvent avoir autour de 15-16 ans, donc éventuellement avec des possibilités de conservation d'ovocytes, et je voulais savoir si du coup, elles pouvaient bénéficier d'une conservation éventuellement de ces ovocytes pour une procréation ultérieure, si elles ont un cancer, par exemple, qui doit être traité par chimiothérapie et une atteinte de leur fertilité. En l'état actuel des choses, comme je vous l'ai dit, on peut, dès lors qu'on a un risque de perdre sa fertilité suite à un traitement cancéreux, quel que soit l'âge, c'est pris en charge. Il y a une conservation ovocyte. Une autre question ? Merci. En ce qui concerne l'interruption de grossesse partielle, ce qu'on appelle jusqu'à présent la réduction embryonnaire, est-ce que la loi précise le nombre de réductions, c'est-à-dire 3 à 2, 3 à 1, 4 à 2 ? Non, il n'y a rien prévu pour le moment, mais peut-être il y aura un décret. À ce stade, on dit qu'au projet de loi, madame. D'accord, donc, merci. Bonsoir. Juste une petite question. Moi, je suis étonné quand vous avez parlé de l'IVG, notamment de la clause de conscience au niveau du motif médical. Qu'est-ce qui a pu inciter nos législateurs avec cette clause de conscience ? Je suis assez étonné de ça parce que c'est déjà quelque chose de complexe pour les soignants, cette clause de conscience qui existe pour motif personnel. Et là, Pour les motifs médicaux, vraiment, ça m'étonne. Non, mais il n'y a aucun changement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'IVG pour motif médical, il y avait clause de conscience par renvoi. Donc, de toute manière, ça ne change rien, sauf qu'on fait une clause de conscience autonome. C'est-à-dire ça ne change absolument rien à l'état actuel des textes, concrètement. OK. Merci. On a une question quasiment au centre de la salle. Oula, bravo. Bravo. Oui, s'il vous plaît, la conservation étant à la charge de la personne qui va faire conserver ses gamètes, est-ce qu'il y aura des décrets qui vont fixer les prix de cette conservation ? Comme il n'y aura pas d'aide financière possible, est-ce qu'on a prévu, ou alors je n'ai pas bien compris, qu'il y aura que les personnes qui auront les moyens qui pourront le faire ? À partir du moment où ce sont des établissements qui participent au service public hospitalier, forcément, il y aura, je pense, logiquement, des barèmes. Ce ne sera pas dans les établissements à but lucratif, c'est non lucratif, ou participant au service public hospitalier. Donc, je doute. A priori, c'est qu'un projet de loi. Donc, il y aura forcément. Ce n'est pas un projet de loi qui va définir le barème. Il y aura un décret, des arrêtés, mais je doute qu'on aille. Que ce soit des prix libres. Je ne pense pas. Si on peut donner un ordre d'idée,
une conservation d'un embryon congelé, c'est extrêmement modéré. En fait, les hôpitaux font supporter la place dans le congélateur qui doit être dans les 20 euros par an ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'extrêmement faible. Hein. Et les hôpitaux, j'imagine que ça sera de cet ordre-là. C'est pas le prélèvement qui est financé, le prélèvement lui-même est financé, c'est la conservation du produit. Je voudrais voir comment la salle peut réagir au fait que, dans certains cas, particulièrement dans la remontée aux origines après un don de sperme anonyme, et la possibilité de retrouver le géniteur de façon encadrée, évidemment, ça a été très bien dit par Madame Le Gros. Mais est-ce que la rupture, d'une certaine façon, du trépied des lois françaises qui est constituée par l'anonymat, la gratuité et le consentement éclairé, est-ce que, pour vous, ça vous paraît logique que l'anonymat puisse être levé dans ce cas-là? Est-ce qu'à partir du moment où on touche à cela, ça ne peut pas rejaillir sur une levée d'anonymat, par exemple sur les dons d'organes? Comment vous réagissez à ce changement législatif? Qui se lance? Si la balle tombe, il y a dispense de synthèse. Bonsoir. Moi déjà, je voulais juste demander une précision sur je n'ai pas très bien compris, sur la levée de l'anonymat dans le cas du don de gamètes pour les informations qui sont identifiantes pour la personne. Et ensuite, je voulais savoir si vous étiez au courant, si le gouvernement et le Parlement avaient pris en compte l'impact sur le don, sur les volumes de dons, alors qu'on sait que justement l'anonymat pour le don de gamètes ça a une grande importance pour les donneurs et ça risque de réduire justement le volume de dons. Et si je peux me permettre une deuxième question qui aura à voir justement avec les états généraux, apparemment vous avez dit que c'était un échec, mais depuis de nos échecs, je pense qu'on peut beaucoup apprendre, hein. La fac me l'a beaucoup appris. et je voudrais savoir justement, même si c'était pas forcément politiquement pertinent pour vous, mais au niveau des sciences sociales, qu'est-ce que ça vous a appris sur la manière dont on pouvait organiser une démocratie participative? Pas sûr d'avoir compris votre première question, c'est-à-dire que les données, à la majorité, on aura accès à des données non identifiantes et identifiantes. Et l'identité, en fait. D'accord, il n'y a rien de... C'est-à-dire que dorénavant, ceux qui vont donner, s'ils veulent donner, ils sauront qu'ils devront donner ces informations. Ils n'ont pas le choix. Ah non, ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire, vous voulez donner, il faut savoir que vous devrez donner ces données. S'ils ne veulent pas les donner, ils ne pourront pas donner. Concernant cette question-là, vous imaginez bien que les directeurs de SECO se sont posé la question. On n'est pas capable de se projeter. Ce qu'ils prévoient, c'est que les donneurs changent, que ce ne soit plus les mêmes, que les raisons du don, éventuellement, que ça bloque certains, que ça éventuellement favorise d'autres, mais on va vers l'inconnu. Ils se sont posé la question, mais ils n'ont aucun moyen d'y répondre. Vous savez sans doute que là, on va avoir un régime transitoire où on va avoir l'épuisement des précédents avant de mettre, je dirais, sur le marché les dons, les produits des dons de nouveau régime. On ne sait pas, on n'en sait rien. Dans les pays où ça a été autorisé, ça a eu une incidence variable sur le nombre de donneurs. C'est variable. C'est variable. Et alors, en revanche, se pose la question du nombre d'enfants par don. En France, on a une limitation à 10 enfants par donneur. Il y a des pays où on va jusqu'à 100. Donc, vous savez qu'avec un don de sperme, on peut satisfaire beaucoup plus de donneuses. Un don d'ovocyte, c'est une. Et donc, on ne sait absolument pas comment est-ce que ça va être géré. Voilà. Et ils espèrent avoir de nouveaux donneurs. Alors, quant à la question,
J'ai pas dit que c'était un échec. J'ai dit que notre méthodologie concernant en tout cas la PMA, enfin, on avait voulu être scientifique. Sur le plan scientifique, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on ne peut rien tirer de scientifique de la façon dont nous avons procédé. Je ne suis pour autant pas honteux de ce que nous avons fait. Je pense que c'était un gage, d'ailleurs, de sérieux d'essayer une méthode scientifique. Alors, quel est l'obstacle ? L'obstacle, c'était l'échéance législative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre mener une recherche scientifique ou s'approchant des méthodes des sciences sociales dans une période, je dirais, d'exacerbation. Maintenant, l'autre limite, c'est que dans les domaines où il n'y a aucune représentation sociale d'un problème, on aurait pu prévoir que les gens ne viendraient pas parler de la représentation sociale qu'ils n'ont pas. Voilà, c'est des éléments de réponse. L'évolution vers des états généraux en session permanente peut régler ce problème-là, mais pose d'autres problèmes de légitimité. C'est-à-dire que si on fait des états généraux en session permanente, ça veut dire qu'on n'a plus cette espèce de grand-messe de consultation des populations que la France a mis dans sa loi, puis que la France a imposé à l'Europe. Parce que c'est sous la plume des Français que le Conseil de l'Europe a pris la Convention d'Oviedo qui nous lie ensuite par retour. Donc, on n'est pas sorti de l'affaire dans ce processus. On a effectivement des domaines où vraisemblablement le corps social n'a pas de représentation de la problématique. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Et quand on l'interroge, soit il a des idées, il se fait des idées sur le champ, mais ce n'est pas forcément la bonne méthode. Mais si on le fait appel à volontaires dans ces cas-là, des volontaires pour venir parler d'une représentation sociale qu'on n'a pas, effectivement, ça ne marche pas. Oui, je serai plus nuancé que mon collègue. Je trouve qu'en Aquitaine, ça n'a pas trop mal marché. Voyez. Nous avons fait au moins une douzaine de réunions très suivies. Alors, on avait deux thèmes, puisque vous avez vu, il y avait deux thèmes par région, bien sûr la procréation médicalement assistée et l'utilisation des big data, des données numériques qui a intéressé, il est vrai, moins de monde. Mais sur le premier thème, alors, dans la logique plus analytique que vous faites, peut-être, mais ça a été un moment d'information et d'animation extrêmement important dans les principaux départements de l'ancienne Aquitaine. Donc ça, c'est important, si vous voulez. Après, la logique... Il y avait un biais, si vous voulez, dès le départ. Il y avait un biais, puisque le président de la République avait dit, au moins pour la PMA, ce qui allait se passer. Donc il est sûr qu'on savait que, d'une façon ou d'une autre, avec la majorité en place, ce qui est logique, la PMA allait être ouverte aux femmes seules et aux couples d'homosexuelles femmes. Donc, il y avait tout un débat autour avec des affrontements, du militantisme, etc. De fait, LGBT était peu présent également en Aquitaine. Ils étaient sur la logique que vous avez très bien indiquée tout à l'heure. Je les ai même relancés 2-3 fois pour leur dire de venir. Quelquefois, c'était moi qui défendais leur position. Mais globalement, quand même, lorsqu'il y a de l'animation et de l'information qui circule entre les citoyens, c'est quand même une réussite. C'est ce qu'il faut voir, malgré tout. Voilà. Quand je parle d'échec, je parle d'échec de la méthode scientifique et de la tentative d'instiller une démarche scientifique. Les débats ont été suivis. Il y avait des gens, on a eu... La partie classique du débat a eu lieu, les oppositions ont eu lieu, et les arguments... Alors, après... On s'est quand même heurté, pour faire ces focus group, on a sollicité 300 associations, les mairies de quartier, etc. On a assisté à des retraits, c'est-à-dire que les statuts de notre association n'ont pas pour objet ce genre de choses, donc on ne joue pas. Non, dans la mairie de quartier, parce que ça pourrait écorner l'image de consensus de notre ville. Vous voyez, on est dans une situation du débat public auquel on demande à participer, et on n'est pas les seuls animateurs du débat public. Une mairie qui veut pas de soucis
éventuellement éviter certains thèmes dans certaines municipalités et pas les plus petites. On m'a demandé de, s'il vous plaît, non, mais pas la PMA. Voilà, parce que. Alors, également, ce qui est intéressant de, que vous fassiez ressortir aussi, nous avions convié tous les parlementaires, évidemment, députés et sénateurs, à ces réunions. Il y a vraiment un seul département où ils sont venus sur les 5 départements de l'ancienne Aquitaine. C'est quand même un peu dommage. Et quand nous avons fait la restitution de cet état généraux, alors pour le coup, pour les Hauts-de-France en entier, dans l'amphithéâtre du Conseil régional des Hauts-de-France, il y a eu un député et 85 personnes pour écouter. Donc vous voyez que c'est... voilà, il y a quand même une énorme disproportion entre ce qu'on peut appeler l'écho médiatique et la mousse qui peut être faite. Et puis ensuite, quand on revient sur le débat concret, une disproportion d'ampleur, ça questionne quand même. Je reviens juste un petit peu en arrière sur les données nominatives en matière de dons de gamètes, juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Ça permet d'identifier le donneur, mais l'enfant qui est né ne pourra pas établir son lien de filiation. Hein. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière de pension alimentaire, ou, voire d'héritage à capter, parce que c'était évidemment l'enjeu. Hein, on est bien d'accord. On identifie, mais il n'y a pas de lien de filiation. Hein. Et moi, je voulais préciser que c'est pas parce que l'enfant pourra savoir à sa majorité... Ces ensembles de données, il faut encore qu'ils sachent qu'il est issu d'un tiers donneur. Et quand on fait une démarche d'AMP, le texte prévoit que, quand on vient voir pour une démarche d'AMP, prévoit que les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant avant sa majorité de ce qu'il est issu d'un don. Donc il n'est pas du tout certain que l'enfant le sache. Oui. Madame, oui. Oui, je voulais dire un mot sur l'intelligence artificielle, mais madame... Oui, bonjour, je vous remercie pour vos interventions qui étaient vraiment très intéressantes. Moi, j'avais plus une question, on va dire, un peu plus pratique. Est-ce qu'il y a eu une évaluation de ce que ça pourrait représenter en termes de nombre de patientes ou couples supplémentaires souhaitant obtenir une procréation médicalement assistée? Parce qu'en termes de structure, c'est vrai qu'on est quand même déjà pas mal chargé dans les CHU. Donc, est-ce que ça représenterait vraiment une surcharge de travail pour les professionnels déjà? Il y a eu une évaluation. J'avoue que je ne la connais pas. C'était un petit nombre d'enfants. Je pense que c'est 2000 enfants par an, mais je ne suis absolument pas certain du chiffre. Ça a été évalué, considéré comme relativement négligeable dans le coût total de l'assistance à la procréation. Mais je ne peux pas... En fait, non. Si je vous lis l'article 1er bis nouveau, il précise que dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation, à leur taux de réussite respectif et à l'opportunité d'une évolution structurelle. Je vous ai répondu en nombre d'enfants. C'est possiblement un bien plus grand nombre d'essais. C'est-à-dire que vous parliez de charge des équipes. 2000 enfants, c'est beaucoup plus de charge d'équipe, puisqu'en fait, c'est 20% de réussite dans les centres qui marchent très bien à chaque fois. Je voulais faire une remarque sur l'intelligence artificielle. Dans l'article 129 du CCNE, qui est le document référentiel qui structure le projet de loi à quelque chose près, c'est très faible. C'est vraiment, alors que l'intelligence artificielle est en train de prendre une place considérable dans certains traitements rapidement, on reste relativement vague. Alors, d'une part, on dit qu'il faut absolument qu'il y ait une supervision humaine et qu'on ait le consentement, qu'on éclaire le sujet qui va bénéficier d'une thérapeutique dans laquelle intervient un algorithme. Par exemple, pourquoi utiliser tel anticancéreux en faisant appel à des big data
universel pour savoir quel est le meilleur traitement, pour personnaliser ce traitement. Donc, l'utilisation des algorithmes va être très répandue. Et là, on dit qu'il faut le consentement du patient. Et dans le même temps, on dit, et dans l'article 129, c'est très bien expliqué, qu'il ne faut pas trop légiférer, qu'il faut encadrer légèrement pour ne pas empêcher les progrès techniques qui tournent autour de l'intelligence artificielle. On voit l'équilibre subtil qu'on essaie de trouver entre la nécessité thérapeutique et l'information et également la nécessité du progrès scientifique et technique et économique. Je voulais faire un petit bémol, c'est-à-dire que dans le texte, on ne parle pas du consentement. Je sais, mais bon, il faut se méfier quand même. On parle qu'on va l'informer, qu'on l'a utilisé, ce qui n'est pas la même chose. Mais non, mais c'est ce que ce je... Ce qui n'est pas la même chose. Le mot consentement, vous allez être, aussi du trépied. Vous allez être informé qu'on a utilisé une technique, un algorithme, mais on ne va pas demander votre consentement. Et nous avons une question au fond. Oui. Je me demandais ce qui pouvait faire obstacle à la réutilisation future des gamètes conservées. On n'a pas bien entendu devant, en fait. J'ai une deuxième question. Je me demandais si, quand il y avait une conservation des gamètes, il y a quelque chose qui pouvait faire obstacle à l'utilisation des gamètes qui ont été conservées. Personne. Si vous êtes vivante. Oui, si je suis vivante. Ben, ce sera l'âge. Et du coup, deuxième question, ce sera l'âge. Pour les couples de femmes trans qui, du coup, ont une infertilité qui va être future et potentiellement programmée, qu'est-ce qui va se passer pour l'utilisation des gamètes qui ont été conservés? Alors là, je n'ai pas de réponse. D'accord. Mais est-ce qu'ils sont abandonnés? S'ils sont abandonnés? S'ils sont abandonnés? Si les gamètes sont abandonnés? Voilà. Vous savez qu'il y a un certain nombre comme ça de dons de sperme qui sont conservés et abandonnés, et que la loi autorise l'arrêt de la conservation au bout d'un certain nombre de sollicitations et d'années où il n'y a pas eu de réclamation. C'était déjà inscrit dans la loi, ça. On n'a pas entendu votre question. Non, j'ai conscience effectivement qu'il peut y avoir un abandon des gamètes. Hein. L'idée, c'est de ne pas avoir recours à un donneur autre. C'est deux choses pour moi très différentes. Un donneur autre. C'est en fait dans l'idée d'une stérilité future, c'est ça, hein, anticipée. Et finalement, est-ce qu'il y a au bout d'un moment. Combien de temps on pourrait conserver en fait ce matériel génétique, c'est ça votre idée? Ce sont des femmes qui anticipent sur une stérilité future. Interdit en fait. Oui. Et elles auraient la seule possibilité qu'elles auraient, ce serait d'avoir recours avec un tiers donneur. C'est ça. Elle voudrait qui utiliser pose, finalement trouve, des questions éthiques énormes. Oui. C'est-à-dire que c'est un homme qui devient femme, mm-hmm. D'accord, qui conserve du sperme, mm-hmm. pour un projet parental qu'il aura une fois qu'il sera devenu femme. C'est ça, qui actuellement n'est clairement. Pas autorisé, du coup. Non. Donc là, je resitue le problème, mais je n'ai pas la réponse. Je crois qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas inscrit dans la loi. Voilà, il n'y a pas la réponse dans la loi, pour l'instant. Ni dans l'article 129. Non. Oui, monsieur. Alors une question peut-être plus fréquente. On fait de plus en plus d'analyses de génétique dans beaucoup de maladies. Et en fait, j'aimerais que vous éclaircissiez dans la chaîne de soins qui a accès à ces résultats. Parce que dans la chaîne de soins, ben, effectivement, il y a le patient, il y a le généticien. C'est sûr. Et puis, à côté de ça, ben, y a plein de gens, le spécialiste, le généraliste, etc. Donc, premièrement, qui a accès? Et la deuxième chose,
Si on s'aperçoit, puisque les recherches perdurent, que finalement les conclusions qui ont été données avec telle analyse génétique changent, est-ce qu'il y a un moyen d'informer au moins le patient dans le temps ? Est-ce que... Actualiser les connaissances ? Je ne suis pas du tout spécialiste de, précisément de cette chaîne de soins. Donc, il me semble bien que les résultats d'analyse génétique ne peuvent être donnés par le généticien, donc spécialiste, au patient lui-même et au spécialiste qui les a demandés pour une raison bien particulière. Donc, la chaîne de soins est courte en principe. Ce n'est pas des examens qui sont disséminés. Et la délivrance de l'information est encadrée. Soit par ce sont des généticiens qui délivrent cette information, ou des gens qui travaillent sous la. Des conseillères génétiques sous la. Enfin, il me semble, hein, sous la houlette d'un généticien, donc sous sa responsabilité. Il n'y a pas d'envoi par la poste avec copie à un tel, et à tous les correspondants du patient. Maintenant, je ne suis pas du tout spécialiste de cette partie-là. Je pense que je ne peux pas me poser en expert sur la question. Prenez le micro. Non, mais prenez le micro parce que il faut que tout le monde vous entende. Je confirme, et c'est au patient à confier ses résultats au médecin de son choix, enfin aux personnes de son choix. Si la chaîne de cours de soins s'allonge, c'est du fait du patient, en fait. C'est ça qu'on peut dire. Initialement, c'est très court. Bonsoir. Alors moi, je suis toute novice. Là, c'est la première fois que je viens ici et donc je suis très contente. J'apprends plein de choses. Par contre, il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Et il y a deux questions que j'ai pour préciser, si c'est possible. À un moment donné, vous avez parlé que maintenant, le double don de gamètes est autorisé. C'est un projet de loi, ça va être voté. Mais en tout cas, dans ce projet de loi, ça n'est plus prohibé. Oui. Et du coup, je voulais préciser, double don de gamètes, vous entendez par quoi ? C'est-à-dire l'homme et la femme aussi, c'est ça ? Double don de gamètes, ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, donc le couple, il n'y aura aucun gamète qui appartient... L'embryon va être constitué, peut être constitué de gamètes qui n'appartient ni à l'homme, ni à la femme, ni aux deux femmes. Ok. Et bien précisé aussi, ça fait trois fois qu'on revient sur cette question, mais j'ai encore pas très bien saisi, c'est par rapport aux enfants qui sont donc nés d'un don, et donc du donneur, et la levée de l'anonymat du donneur. Je voudrais bien avoir compris, le donneur, il vient, parce que vous avez parlé de données identifiables et de données non identifiable, c'est ça ? Non, en fait, on a les données non identifiantes, c'est l'âge, la catégorie socio-professionnelle, votre pays de naissance, ils sont mis également. Donc, c'est non identifiant. C'est pour ça. Et les motivations, donc le donneur dira mes motivations pour le don, s'il veut. Et après, il y aura l'identité. D'accord. Et tout ça, c'est obligatoire. Le donneur, il n'a pas un truc à signer, à dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il donne son consentement écrit. Voilà. Parce que s'il n'accepte pas de donner tout ça, il ne pourra pas être donneur dorénavant. On ne pourra plus être donneur si on n'accepte pas. Voilà, d'accord. Si on n'accepte pas. En gros, ça revient au même, quoi. Ça revient au même. Non, ça ne revient pas tout à fait au même d'un point de vue. Mais du coup, en tout cas, s'il veut donner. Voilà, il faut qu'il sait que son identité peut être dévoilée si l'enfant souhaite le connaître. D'accord. Au moins avoir son nom. Après, on ne donne pas l'adresse, je ne pense pas. Je vous remercie. Alors. Vous, madame ? Bonsoir. Dans la continuité de cette identification, est-ce que cette signature ultérieurement. Lorsque l'enfant recherchera son géniteur, enfin en tout cas les gamètes qui ont été donnés, cette personne aura obligation, en fait cette signature obligera le donneur à accepter le contact, en tout cas à obliger le contact avec la personne recherchant son donneur. Je pense à titre personnel que non. Je ne pense pas. Et est-ce que ça
pourrait ne... enfin, est-ce que, enfin, c'est peut-être problématique dans le sens où la personne, enfin, l'individu qui va connaître l'identité de son donneur va aller, enfin, peut entamer du coup des recherches vis-à-vis de ce donneur. Et est-ce que ça peut aussi poser un problème dans l'autre sens où le donneur, par exemple, va volontairement donner dans le but qu'un jour un de ses, enfin, un des enfants puisse, enfin, genre, il va y avoir une intention qui va être posée derrière. C'est du coup l'acte ne devient plus aussi, on va dire, gratuit venant du cœur qu'avant, puisqu'il peut être calculé maintenant parce que il sait que l'enfant va avoir sans doute accès à ces données. Les directeurs des SECOS s'attendent à un changement du profil des donneurs, mais comme les motivations pour donner des gamètes sont déjà quand même extrêmement méconnues et que des gens qui déclarent donner par altruisme pour faire des gens heureux, ils savent quand même très bien qu'ils s'assurent quelque part une descendance biologique. Alors, les textes jusqu'à présent, en obligeant les donneurs à être déjà parents, essayez de parer à l'idée un peu fantasmatique que j'ai pas d'enfant, je suis tranquille, mais j'assure quand même une descendance et je fais mon devoir envers la race humaine d'un côté et de l'autre côté, je m'en prie. Mais c'est pour ça que c'est probablement pour ça que la loi imposait d'ailleurs aux donneurs d'être parents, de manière à essayer d'éliminer des gens qui se reproduiraient comme ça de manière assez aseptisée. Mais non, on n'en sait absolument rien. On ne sait pas. Et je pense qu'il n'y aura jamais moyen de savoir. En revanche, pour l'histoire du secret dont Bérangère Legros parlait, c'est là, pour le coup, les législateurs font le pari que pour ces enfants nés par un don de gonade, enfin, pas de gonade, de gamète, pardon, il commence à se faire tard, il en sera exactement de même que pour les adoptés. Actuellement, la conduite standard pour les enfants adoptés et ce qu'on dit à tous les parents adoptants, c'est il faut le dire, mais il faut le dire le plus vite possible. Ah, bien sûr, il y a encore des parents qui ne le disent pas. On ne peut pas leur imposer, mais le consensus actuel et la tendance, la règle, le standard, c'est que les parents adoptifs disent le plus vite possible à leurs enfants qu'ils sont adoptés. Et clairement, là, le pari est fait que ça sera exactement la même chose pour le reste. Mais c'est un pari. Hein. Personne ne peut savoir ce que feront ces parents-là. Bonjour. Je voulais savoir, du coup, si, avec ce système de levée de l'anonymat, s'il était possible, du coup, à plusieurs enfants issus d'un même don, de se retrouver par ce biais-là. Et j'ai également une deuxième question. Est-ce qu'il est possible pour le donneur de choisir de limiter le nombre d'enfants? C'est-à-dire que vous avez dit qu'il était possible d'aller jusqu'à 10 enfants pour un même donneur. Est-ce qu'il est possible qu'il dise « moi, je ne veux pas plus de 2 enfants » Est-ce qu'il est possible de choisir une limite? Je ne pense pas qu'il sera en pouvoir de négocier ce type de données qui sont créées par un texte de loi. S'il veut commencer à négocier, on dira « je pense que ça posera problème ». On ne peut pas négocier avec un texte de loi. S'agissant des enfants, a priori, il n'y a pas de lien possible, sauf si le père biologique dit il y en a un autre qui est venu me voir. Mais je vois pas, a priori, il n'y a rien qui prévoit que ce soit. Ah. Si les réseaux sociaux permettront certainement faire par une page Facebook des enfants de tel profil, ça c'est non, mais ça, la loi ne peut pas l'empêcher. Bonsoir. Oui. Ou alors passer par les sites étrangers interdits en France, mais d'accès extrêmement simple, pour remonter et croiser les bases génétiques. Ça sera tout à fait faisable par les réseaux sociaux. Et non, il ne faut pas... Allez, encore deux ou trois questions maximum. Allez-y. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur ce qui avait été dit sur l'intelligence artificielle et savoir si on était à la hauteur des enjeux actuellement. En sachant que, enfin, comment vous avez fait pour faire en sorte que des citoyens lambda se prononcent sur des sujets aussi techniques, finalement, que l'intelligence artificielle, que ces recherches-là? Et ma deuxième question, qui est en lien, c'est justement, quand on voit les enjeux de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut au niveau européen, qui serait là plutôt au niveau du Comité consultatif national d'éthique directement, mais est-ce qu'il y a vraiment un consortium européen sur ces questions-là? Voilà, merci.
Oui, alors, sur de fait, ce qui va être dans la loi est très, très mineur, hein, puisque c'est même une information et pas un consentement, qu'on a utilisé un algorithme pour mettre en œuvre une thérapeutique, par exemple. Donc, c'est encore très peu de choses par rapport à ce qui peut advenir. Alors, après, comment faudra-t-il légiférer à l'avenir ? Ça, la société est là, les instances qui représentent la réflexion sur ces grandes questions biotechniques doivent s'y pencher, les parlementaires, bien sûr, aussi. Vous savez, il y a fort longtemps, il y avait même eu des lois, les lois d'Asimov, pour ceux qui s'en rappellent, sur l'utilisation des robots. Il y avait trois lois d'Asimov qui indiquaient qu'il fallait absolument contrôler que l'homme reste maître du robot. Il y avait tout un déroulé qui montrait que l'homme devait garder la main. Alors, espérons que l'homme gardera la main, c'est tout. Je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, quant à l'utilisation des données, il est évident que les RGPD, c'est un progrès, mais également, il faudrait qu'il y ait un travail plus important au niveau européen, ce qui n'est pas tellement le cas actuellement, malgré certains efforts, mais très insuffisant. De toute façon, l'intelligence artificielle ne peut se développer qu'avec des budgets considérables. Il suffit de voir actuellement comment elle évolue aux États-Unis ou en Chine et comment l'Europe divisée n'arrive pas à développer des projets majeurs, comme par exemple DARPA aux États-Unis, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les biotechnologies. Donc là, on est dans un domaine du futur qu'il faudrait essayer de prévoir. Je ne peux pas dire davantage, mais ce qui est fait aujourd'hui au niveau de la loi est vraiment infinitésimal. Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais nous n'en avons même pas encore de représentation. En matière de... Vous nous posiez la question, comment est-ce que vous avez fait ? J'ai constaté, moi, qu'il n'y avait absolument aucune représentation, que l'anonymat, déjà, et même sur les réseaux sociaux, les gens se pensaient protégés quand ils étaient anonymes, ce qui est absolument faux pour ce qui est des réseaux sociaux, puisqu'on donne suffisamment de données et on laisse sur la toile un profil tellement précis que sans notre identité, on a une espèce d'avatar dans la quatrième dimension qui fait que si on vise l'avatar, on touche la cible. Donc, on n'a pas besoin d'avoir votre adresse, votre âge, votre machin. On vise la personne qui a les mêmes caractéristiques que vous, et c'est vous. Donc, de ce côté-là, l'anonymat, c'est complètement dépassé. Mais ce qui est l'étape d'après, alors la première différence qu'il faut bien voir, c'est l'algorithme qui fonctionne selon le programme qu'on a programmé avec les données qu'on y a mis. C'est pas très différent du carnet de l'interne qu'il a dans sa poche où il est écrit s'il y a ci, tu fais ça, s'il y a ça, tu fais ci. Ça va plus vite, mais il y a plus de données, mais c'est pas très différent. En revanche, c'est très différent quand il s'agit de deep learning. Le deep learning, c'est des boîtes noires qui se mettent à apprendre tout seul, comme la machine qui a appris toute seule à jouer au Go, sauf que elle a appris le jeu de Go toute seule, mais enfin bon, elle est limitée au jeu du Go. Donc c'est pas très dangereux. C'est dangereux pour l'amour propre des joueurs de Go, mais pas pour le... Là, en l'occurrence, le deep learning a cette caractéristique, c'est qu'il est ensuite inexplicable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas rétrospectivement comment la machine en est arrivée à la conclusion. Quand on sait déjà en médecine la puissance que peut avoir une mesure, une simple valeur dans la tête d'un médecin qui a peu d'expérience, en particulier des étudiants en médecine, si c'est mesuré, s'il y a un chiffre, c'est que c'est vrai. La première chose qu'on leur apprend, c'est de critiquer la mesure, de regarder si elle est compatible avec le patient qu'on a en face de soi, avec la clinique. Là, en l'occurrence, en plus, le risque, c'est d'avoir des choses qui sont absolument inexplicables, mais au sens propre du mot, c'est-à-dire qu'on ne peut plus déplier. C'est ça que veut dire inexplicable. C'est ça qu'essaye d'éviter la loi en disant intervention humaine.
Parce qu'une intervention humaine pour constater qu'on n'y comprend rien, non, ça veut dire que normalement, on doit être capable de remonter au processus qui a amené à la décision. C'est manifestement, vous avez raison, une mesure d'attente, parce qu'on a énormément de mal à se faire une idée. Au plus extrême, alors c'est presque de la science-fiction, mais les nœuds de communication de ces big data, tenus par des firmes qui sont plus puissantes que des États, voient défiler des données telles qu'ils constituent des bases de données que la recherche académique n'aura jamais. Les institutions de recherche académique seront obligées d'acheter ces données aux propriétaires de ces nœuds de communication. Quand on voit, et ces propriétaires de ces nœuds de communication sont aussi les acteurs du web et d'Internet qui ont accès justement aux représentations sociales des gens, on peut imaginer avoir même une redéfinition du concept même de maladie, puisqu'en fait, ils savent tout. Ils savent vos symptômes quand vous cherchez, la plupart des gens tapent sur Internet, mal à la tête, machin, etc. Ils savent quel médecin vous consultez, parce que vous allez chercher votre médecin sur Internet, vous rentrez à la maison, vous regardez la notice et vous regardez les effets indésirables après avoir cherché un pharmacien. Donc, ils ont absolument tout et ils connaissent en plus de ça les préoccupations du foyer. Donc, on peut très bien imaginer une nouvelle nosologie, finalement, aller jusqu'à, par retour et par le biais de la recherche scientifique, par la vente des bases de données, redéfinir le concept même de malade, pas malade, sain, malade, etc. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors, évidemment, quand je le raconte comme ça, ça paraît être de la science-fiction. Mais je pense qu'à terme, c'est ce genre de risque que nous courons d'avoir des nouvelles maladies, parce que ce sont des nouveaux marchés, parce que ça répond à des préoccupations qui ont été bien identifiées, justement, par les titulaires de ces nœuds de communication qui sont des firmes plus puissantes que les États. Et donc, nos petites réglementations européennes les font rire, puisque de toute façon, ils ont accès à ces données qu'on veut anonymiser, mais ils se fichent éperdument du nom des gens, puisqu'ils connaissent tout le reste. Et qui sera responsable s'il y a des erreurs? Là, nous sommes dans un flou total. Celui qui a fait la machine, celui qui a fait l'algorithme, celui qui a utilisé l'algorithme, on n'a pas fini. Nous avons le temps pour une toute dernière question. Monsieur, on va attendre la boîte magique. Oui, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot de souffrance. Moi, j'ai du mal à imaginer que cette cessation de l'anonymat du donneur ne génère pas, dans beaucoup de cas, de la souffrance. Parce que, imaginons un enfant, et on passe tous, en général, par des conflits avec les parents, à un âge plus ou moins avancé, et donc il va apprendre que ses parents, qu'il éleveur, n'ont pas été ses parents génétiques. Et qu'est-ce qu'il va aller chercher? Auprès de qui va apprendre que l'enfant le cherche? Est-ce que ce n'est pas un générateur de souffrance? On n'est pas dans le même cas que l'adoption, parce que l'adoption, il y a une humanité dans une rencontre de deux individus qui ont fait un enfant et qui, pour des raisons X, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais là, ça veut dire qu'il y a une sélection de hasard, d'un donneur, que ça soit mâle ou femelle. Moi, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette levée d'anonymat qui, pour moi, risque beaucoup de générer de la souffrance. Moi, je préciserais qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont nés d'AMP qui veulent savoir. C'est pour ça qu'on en arrive là. Parce que dans la précédente législature, la loi du 7 juillet 2011 avait proposé, le projet de loi avait proposé la même chose, sauf que ça a été refusé. Ça n'a pas été voté. Et donc là, finalement, c'est la même chose, sauf que là, c'est voté. Il y a des enfants qui veulent savoir. Et parce qu'ils sont en souffrance. Clairement, oui, c'est une demande. Enfin, c'est une réponse à cette demande de ces groupes d'enfants, ouais, enfin, d'enfants, d'adultes, parce que qui ont été créés. Alors, après, c'est clair, c'est une réponse. Un début d'éducation, c'est de ne pas satisfaire un certain nombre de demandes, il me semble. J'ai pas entendu. Un début de l'éducation est d'apprendre aux apprenants à ne pas satisfaire toutes les demandes. Oui, mais poser des limites, c'est fixer des cadres.
Il me semble que c'est un des aspects de l'éducation. On vous présente là une évolution législative telle qu'elle est. Le débat a déjà eu lieu et effectivement, ce genre de débats ont eu lieu. Manifestement, le lobby de ceux qui voulaient avoir accès à leurs origines a été entendu. Voilà ce qu'on peut vous dire. Bon, il est temps de conclure cette soirée, de vous remercier pour vos questions, de remercier nos différents intervenants pour leurs réponses et leurs réflexions.